Hello, hello, transformation. Courte vidéo, mais très importante, sur l'importance de la prise de notes. C'est quelque chose que je fais dans ma vie depuis maintenant plusieurs années. On va dire régulièrement depuis 4 ou 5 ans. Et pourquoi je veux te communiquer l'importance de la prise de notes? Concrètement, j'ai toujours un carnet à notes sur moi ou alors un outil de prise de notes sur mon téléphone qui me permet de prendre en compte tout ce que l'on me dit dans la journée que je trouve intelligent de la part des gens avec qui je suis en interaction. Deuxièmement, de prendre note des idées frappantes que je peux écouter, voir ou tout simplement lire. Pourquoi c'est important? Parce que quand on consomme de l'information, par exemple en lisant, lire c'est très bien, mais si tu lis juste passivement et que ça nous arrive souvent, on lit quelque chose, ça nous frappe, c'est génial, mais deux jours après tu auras oublié parce que le flot de la vie, des pensées, des actions et des événements va en fait emporter cette idée et tu ne t'en rappelleras plus. Si tu la collectes, si tu l'archives, si tu la tries, c'est une façon super intelligente de pouvoir revenir à des idées, de pouvoir revenir à des projets, de pouvoir développer ta créativité tout simplement et de pouvoir faire travailler ta mémoire à long terme. C'est une sorte en fait de deuxième cerveau, un cerveau que tu peux emporter partout avec toi et qui te rend plus intelligent. Car dedans, tu n'y collectes pas seulement le fruit de tes pensées, tu y collectes le fruit de tes pensées, le fruit des pensées des autres personnes, c'est l'intelligence collective, et le fruit de tout ton environnement, tout ce qui t'impacte. Tu le notes et de temps en temps, tu reviens dans ton carnet et tu prends quelques temps, quelques minutes, quelques heures si tu en as envie, pour les relire. Et je t'assure que ça a une force énorme dans ta vie. Nous avons tous besoin d'idées, nous avons tous besoin de nous rafraîchir le cerveau ou tout simplement de nous rappeler de certains concepts. Pourquoi les gens, par exemple, aiment bien lire des citations puissantes? Parce que ça nous recadre, ça nous remet dans la bonne direction, ça se met en résonance avec des valeurs qui sont en nous mais que nous avions oubliées. Et ça, c'est quelque chose vraiment que je constate tous les jours pour moi et pour les gens autour de moi. C'est cette capacité d'oubli. Nous avons besoin de rappels. Donc tu peux aussi prendre en note des citations, des valeurs, des choses que tu veux appliquer dans ta vie et tu y reviens régulièrement. C'est la version papier et ça c'est le savoir. Il y a le point 2 qui est l'organisation. Tu peux utiliser un Google Drive ou tout outil qui te permet de mettre en ligne ces informations, ces idées, ces prises de notes et ainsi tu auras accès de façon illimitée à travers le monde tant que tu as une connexion internet. Et pourquoi c'est important aussi de pouvoir le faire sur des outils digitaux? Parce que sur les outils digitaux, tu peux trier, tu peux même, parce que forcément au bout d'un moment, tu auras énormément de données dans ces blocs-notes, dans ces prises de notes. Avec internet, avec un outil digital, tu pourras trier tes données, par exemple avec un mot-clé et retrouver tout ce qui est en rapport avec un thème, par exemple l'état d'esprit. Et tu pourras trier ce savoir, tu pourras l'archiver et sur la durée, ça te fera énormément de savoir, de rappels, de citations, peut-être même de clarté sur ce que tu veux dans ta vie, car écrire, mettre sur le papier, permet d'avoir de la prise de recul. C'est aussi important parfois, pour cela, d'ouvrir son bloc-notes, et si on a une introspection, une réflexion, une pensée sur ce que l'on devrait plus mettre en place dans sa vie pour changer, pour être plus près de qui nous sommes réellement, ça peut être important de le poser sur le papier. On prend du recul dessus, on peut y revenir et on sait ainsi qui on veut devenir. Pour résumer, nous sommes des êtres d'oubli et nous avons besoin de prendre des notes, d'écrire. C'est vraiment une habitude à prendre presque quotidiennement, je dirais. Si tu ne peux le faire quotidiennement, essaye au moins d'appliquer ce que tu écoutes, ce que tu vois dans cette vidéo. Et achète, fais une première action, un bloc-notes. Ou alors, commence un bloc-notes virtuel sur ton téléphone ou ton ordinateur et commence, au fil de la journée, à noter, à prendre en compte ton environnement et tes pensées. Et en plus, bonus, tu verras, ça te servira à vider un peu plus ton esprit, à être moins obturé, à mieux dormir le soir et tout simplement dans la journée, à être plus en concentration sur ce qui compte car tu as moins de brouillard dans ta tête car tu l'expulses et tu le poses quelque part.
Si cette vidéo, tu la trouves inspirante, intéressante, que tu y trouves des astuces qui te permettent peut-être d'évoluer dans ta vie et que tu penses que ça pourrait servir car cela apporte de la valeur à d'autres gens, n'hésite pas, c'est le plus important pour moi, à la partager, à en parler et à l'envoyer aux gens à qui ça pourrait servir. Transformation.